Le poussin Gallus domesticus est un oiseau appartenant à l'ordre des Galliformes. Le corps est divisé en trois régions: la tête, le tronc et la queue réduite chez les oiseaux. La tête porte deux yeux latéraux arrondis et protégés par deux paupières, une supérieure et une inférieure. L'œil est également protégé et maintenu humide par la membrane nictitante, une paupière semi-translucide qui part de l'angle interne de l'œil et se déplace horizontalement sur le globe oculaire. Les orifices des conduits auditifs sont situés en arrière de l'œil. Ils sont en partie masqués par le duvet. La tête porte également un bec corné qui recouvrent les mâchoires supérieures et inférieures. Les narines s'ouvrent à la base de la mâchoire supérieure. Chez le poussin, juste après l'éclosion, est visible un denticule corné sur le bout du bec, la dent de l'œuf. Elle tombera un à deux jours après l'éclosion. Une crête est présente sur le sommet du crâne elle sera complètement développée chez l'adulte. Le tronc, ovoïde et assez rigide, porte deux paires de membres. Les membres antérieurs sont transformés en ailes. Chez le poussin, les ailes et les muscles du vol ne sont pas suffisamment développés pour permettre un vol battu efficace. Les membres postérieurs possède quatre doigts munis de griffes. Le premier doigt est dirigé vers l'arrière, les trois autres vers l'avant. Ses pattes sont couvertes d'écailles cornées de tailles différentes qui remontent jusqu'à la cheville. La queue est très peu marquée chez le poussin. Elle est réduite à un bourlet, le croupion, qui chez l'adulte sera recouvert des plumes rectrices. Sous le croupion est visible l'orifice cloacal. Le corps des oiseaux est recouvert de plumes des productions tégumentaires cornées. Chez le poussin, le plumage est constitué essentiellement de duvets ou plumules. Celui-ci sera couvert progressivement par les plumes de contour chez l'adulte. Le duvet se compose d'une tige, le calamus, sur lequel s'insère une touffe de barbe. Les barbes portent des dizaines de filaments plus fins, les barbules. Chez l'adulte, la plume est constituée par une tige centrale divisée en deux parties, le calamus et le rachis. Sur le côté du rachis sont symétriquement placées les barbes qui soutiennent à leur tour les barbules. Dans la plupart des plumes, les barbules sont reliées entre elles par des crochets, les amulis, qui rigidifient la structure. Cet ensemble forme l'étendard de la plume ou vexillum. L'observation des organes en place nécessite l'ouverture du poussin sur le plan ventral. Il faut d'abord allonger le poussin sur le dos, puis fixer avec des épingles les ailes étirées perpendiculairement à l'axe du corps, ainsi que les pattes. Placez enfin une épingle dans le bec en étirant le cou. Soulevez la peau dans la région abdominale et l'incisez avec des ciseaux fins. Continuez l'ouverture sur le plan médian jusqu'à la base du bec. Deux incisions latérales sont pratiquées au niveau des membres antérieurs et postérieurs. La peau est séparée de la couche musculaire sous-jacente. Repérez le jabot à la base du cou. Et le séparer délicatement de la peau. Rabattre enfin les volets de peau pour les épingler sur les côtés. De part et d'autre du cou, le thymus forme deux masses lobées de couleur blanc-jaunâtre. C'est un organe hématopoïétique juvénile qui régresse chez l'adulte. Continuez la suite de la dissection dans l'eau. Au niveau du tronc, on distingue deux régions, le thorax et l'abdomen. Pour observer les organes présents dans la cavité thoracique, sectionnez latéralement les côtes. En partant de la base du sternum, en suivant les deux bandes de tissu adipeux qui longent les bords de la cage thoracique. Remonter sur les côtés et sectionner enfin les clavicules. Ce procédé d'ouverture sectionnant veines et artères doit être évité si une mise en évidence du système artériel est planifiée. Retirez la région ventrale de la cage thoracique. Pour observer les organes de la cavité abdominale, soulevez les muscles abdominaux et les incisez jusqu'à la base du cloaque. Les volets musculaires sont éliminés. Sont maintenant visibles le foie, le gésier, une partie de l'intestin et en jaune le reste de la vésicule vitelline. L'appareil digestif du poussin est formé par un tube qui va de la bouche au cloaque et par des glandes annexes, le foie et le pancréas. Le tube digestif est divisé en quatre régions. L'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Commencez par libérer l'œsophage des tissus qui l'entourent. Ensuite, coupez les membranes qui maintiennent les viscères dans la cavité abdominale. Enlevez les tissus qui maintiennent en place le gésier. Le rabattre sur le côté et le fixer avec une épingle. Repérer et dégager en premier les sécas rectaux. Dérouler l'intestin à l'aide de pinces en commençant par la région postérieure en sectionnant les mésentères écartez délicatement la vésicule vitelline pour visualiser le conduit qui la relie à l'intestin poursuivre le déroulement de l'intestin jusqu'à l'anse duodéno pancréatique qui doit être préservée placer des épingles pour maintenir le tube digestif ainsi déroulé les différentes régions du tube digestif sont maintenant visibles. La bouche se poursuit par l'œsophage. À la base du cou, l'œsophage se dilate en un jabot, une poche qui sert au stockage temporaire des aliments. L'œsophage aboutit ensuite à l'estomac divisé en deux parties. Le ventricule succenturié et le gésier. Le ventricule succenturier agit comme un estomac chimique. Ses parois glandulaires sécrètent le suc gastrique. Le gésier a un rôle mécanique. Ses parois musculaires épaisses assurent le broyage des aliments. Du gésier part la première portion de l'intestin, le duodénum. Il est recourbé en forme d'un U à l'intérieur duquel est logé le pancréas. L'ensemble forme l'anse duodéno pancréatique La région moyenne de l'intestin grêle est reliée à la vésicule vitelline. Celle-ci fournit un complément d'alimentation aux poussins les premiers jours qui suivent l'éclosion. À la limite intestin grêle-gros intestin, Débouche de longs ces rectaux Ils contiennent une importante flore bactérienne qui permet la digestion de la cellulose des végétaux ingérés. Le rectum débouche dans le cloaque, une cavité dans laquelle s'ouvrent les voies digestives, urinaires et génitales. Le foie, situé de part et d'autre du cœur. Est formé de deux grands lobes. Le conduit hépatique venant du lobe droit se dilate en une vésicule biliaire de couleur vert sombre, qui débouche dans le duodénum. Le deuxième conduit venant du lobe gauche se jette directement dans le duodénum. Dans la cavité abdominale, sont aussi présents deux organes immunitaires qui ne font pas partie de l'appareil digestif, la rate et la bourse de Fabricius. La rate, sphérique et de petite taille, est située entre le foie et le duodénum. La bourse de Fabricius est localisée derrière le cloaque. L'appareil respiratoire comprend le larynx, la trachée, les poumons et les sacs aériens. La trachée est visible au niveau du cou. Il s'agit d'un tube très long renforcé par une série d'anneaux cartilagineux. Elle se ramifie en bronches et parabronches dans les poumons. Les poumons de type tubulaire sont situés dans la cage thoracique en position dorsale. Ils sont reliés à toute une série de sacs aériens situés dans le tronc de l'animal. Les mouvements musculaires agissent sur les sacs aériens permettant la ventilation pulmonaire. L'injection de colorants dans la trachée permet de mettre ici en évidence les poumons, et les sacs aériens abdominaux. L'appareil circulatoire du poussin est fermé et divisé en deux parties, la petite circulation entre le cœur et les poumons, et la grande circulation entre le cœur et les autres organes de l'animal. Le cœur est situé en position ventrale et protégé par la cage thoracique. Il est complètement cloisonné et divisé en cœur droit et gauche. Chaque partie comprend une oreillette et un ventricule. Le ventricule gauche est plus développé que le droit. Le sang chargé en dioxyde de carbone provenant de la tête et des autres régions du corps rejoint les veines caves qui se jettent dans l'oreillette droite. La contraction de l'oreillette permet le passage du sang dans le ventricule droit. Le sang quitte ce ventricule par les artères pulmonaires. Il est envoyé au poumon pour l'oxygénation. Le sang chargé en oxygène quitte les poumons par les veines pulmonaires et rejoint le cœur au niveau de l'oreillette gauche. Il passe ensuite dans le ventricule gauche, qu'il envoie dans le tronc brachiocéphalique et dans la crosse aortique pour la vascularisation des différents organes du corps. L'appareil urinaire du poussin est situé en position dorsale de part et d'autre de la colonne vertébrale. Il est formé de deux reins trilobés et deux urtères. Les urtères débutent à la limite entre le lobe médian et le lobe postérieur du rein. Ils débouchent dans la partie postérieure du cloaque où l'acide urique se mélange aux excréments provenant du tube digestif. L'appareil génital n'est pas encore développé chez le poussin. Les ébauches de gonades sont visibles sur la partie antérieure des reins, mais à ce stade, il est difficile de déterminer le sexe de l'animal.